L'un des grands avantages de Force, c'est que si vous êtes un guitariste comme moi ou un auteur-compositeur-interprète, il est très facile d'enregistrer et de boucler vos idées à l'aide des entrées instruments et microphones situés à l'arrière de l'appareil. J'ai déjà enregistré quelques boucles et j'ai enregistré une guitare acoustique avec un microphone. Mais j'utilise l'entrée instrument pour enregistrer une guitare électrique. Je vais vous expliquer le processus maintenant. Si je vais à la table de mixage et aux inserts, j'ai déjà une chaîne d'effets de guitare électrique chargée. Mais je vais vous expliquer comment je l'ai construite et comment vous pouvez le faire vous-même. Je vais passer en revue tout le processus depuis le début. Ajouter une nouvelle piste, sélectionner piste audio, je vais l'armer pour l'enregistrement et sélectionner l'entrée 1. Je vais sélectionner la pré-écoute ici pour pouvoir entendre le son brut de la guitare électrique. Ensuite, je vais ajouter certains des effets de plugins étonnants qui viennent d'Air Music Technology. Je peux en ajouter 4 et je vais commencer par ajouter un delay. Voici le Air Delay. Voilà l'interface graphique. Le niveau d'effet est un peu fort, alors je vais le réduire légèrement et choisir une vitesse de répétition qui est un peu plus appropriée, disons un huitième. Ça devrait marcher. Voilà, c'est à peu près ça. Je vais aussi charger un peu plus d'effets, pour vous donner un aperçu. J'aime beaucoup la réverbération, alors je vais l'ajouter. Je vais changer un peu le mix. J'aime vraiment ce son-là, c'est cool. Maintenant, ce que je vais faire, c'est revenir en arrière et couper l'enregistrement. Je vais passer en mode matrice. Pour enregistrer cette partie, tout ce que nous avons à faire est de lancer nos clips, puis d'armer l'enregistrement sur cette piste, et de toucher le clip, et de commencer à enregistrer. Maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est d'aller dans ce clip. Maintenant que j'ai enregistré et renié ce clip en temps réel, je vais passer à mon autre partie de guitare et en ajouter un peu plus. C'est très simple, il suffit de lancer les clips et de jouer par-dessus. Une fois que vous avez enregistré ces parties, vous pouvez simplement les copier. Je peux maintenant les lancer dans une nouvelle section.